Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens pour un crash test with me spécial Vice. Vous aviez adoré le dernier et moi ça me permet de vous faire une première impression et un tuto maquillage pour les soirées. L'une des nouveautés de chez Vice, c'est l'anti-cerne, donc je l'applique au pinceau puis au doigt. Je trouve malheureusement la couleur trop jaune pour mon teint et la couvrance pas assez présente, mais si vous n'avez pas beaucoup de cernes, il vous conviendra, moi c'est pas mon cas. Par contre, l'application est hyper facile et la texture très épaisse, donc c'est assez agréable à utiliser. Ensuite, j'utilise la poudre HD, je suis trop contente qu'ils en aient sorti une. En plus, je la trouve invisible, matifiante et miracle, il n'y a pas d'odeur chimique et ça change dans les poudres HD. Si vous avez la peau grasse comme moi, n'hésitez pas à vous l'offrir, surtout que j'ai un petit code promo pour vous à la fin de la vidéo. Ensuite, je fais mes sourcils avec leur nouveau kit, je le trouve juste extra et il a remplacé mon kit Catrice, pourtant ça faisait un moment que j'utilisais. La poudre elle est couvrante, elle maquille vraiment bien le sourcil, la couleur elle est au top et le petit pinceau est facile à utiliser parce que je sais pas vous, mais moi parfois dans les kits, les marques elles mettent des pinceaux inutilisables et ça m'énerve, donc là je suis contente que le pinceau soit utilisable. Je m'attaque ensuite au jumbo noir, j'ai décidé de ne pas tricher et d'utiliser uniquement les nouveaux produits, du coup je vais en mettre sur toute ma paupière mobile pour faire un smoky de soirée. J'ai un coup de cœur pour ce jumbo, c'est mon produit préféré de la vidéo, il est vraiment très pigmenté, le noir est intense et surtout comme il est gras, il ne fait pas mal à la paupière et permet un estompage facile. Un panda! Ensuite j'estompe, j'estompe et j'estompe. Puis je viens mettre le marron du kit à sourcils sur ma paupière mobile pour réchauffer le maquillage. Et oui mesdames, sachez qu'on peut utiliser ces poudres à sourcils aussi pour les paupières, il n'y a aucun souci. Ensuite j'estompe, j'estompe et j'estompe, j'ai l'impression de passer ma vie à estomper. Ensuite je mets de l'illuminateur sous mon arcade sourcilière. Puis je remets du jumbo en ratcil inférieur. Puis j'utilise le mascara Bis, toujours avec des fibres. Donc je ne l'ai pas aimé car comme d'habitude chez Bis, il sépare bien les cils mais le volume n'est pas là pour moi, malgré le fait qu'il y ait des fibres, donc voilà, je ne l'ai pas trop aimé. Réchauffer mon teint vu que je n'ai pas de fond de teint et que c'est très moche, j'applique du bronzer sous mes pommettes. Vous savez déjà que je suis amoureuse des blushs et des bronzers de chez Bis, je vous les recommande à 1000%, surtout pour le prix. Pour terminer, j'applique un rouge à lèvres rose flashy parce qu'après tout, pour les soirées, on peut se le permettre. Et j'applique ensuite un gloss. Toutes les références seront évidemment en barre d'infos ainsi que les liens.
J'espère que cette revue et ce tuto vous ont plu. Si vous avez envie de craquer, je vous offre un code de moins 10%, c'est BISXORIA. Mais c'est pas une raison pour m'envoyer votre banquier, sachez-le, j'en ai marre que vous m'envoyez vos banquiers. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous. Ciao !